Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 2 des Contes du Royaume, c'est-à-dire Charme de Sarah Pinborough, paru chez Milady. J'enchaînerai avec Cœur Mandarine, le troisième tome des Filles au chocolat de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Ensuite je vous parlerai de Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan, paru chez Pocket. Et pour finir, on parlera de Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, paru chez Big Bang. Allez, on commence avec ce second tome que j'ai lu en lecture commune avec Adeline. Comme le premier tome, nous sommes dans une réécriture de conte cette fois-ci. Vous aurez deviné que nous parlons de Cendrillon. Et ma foi, j'ai plus apprécié cette lecture que le premier tome. Rappelez-vous, le premier tome c'était Poison, on parlait de Blanche-Neige. Et je trouvais qu'on ne s'éloignait pas du conte original. Seulement à la fin, ce qui était un peu dommage, un petit peu tard. Ici, on va parler de Cendrillon. Et ma foi, on s'éloigne du conte originel assez vite. Assez vite, Cendrillon m'a paru vraiment tête à claque, hein, complètement, très égoïste, très envieuse, hein, tout simplement. Elle n'a pas le droit d'aller au bal, sauf que franchement, sa belle-sœur, parce qu'elle n'en a qu'une ici, sa belle-sœur est adorable, très gentille, elle se plie en deux pour que sa mère soit fière d'elle, pour qu'elle attire l'attrait du prince, etc. Elle emploie des moyens juste hallucinants. Et Cendrillon, je trouve, n'a aucune compassion. De toute façon, le bal est réservé aux nobles. Elle n'est pas noble. Cendrillon n'aurait jamais pu aller au bal dans de circonstances comme ça. Donc en fait, je comprends pas pourquoi elle a ce sentiment d'injustice. Bref, on va arrêter de parler de ça parce qu'elle m'agaçait prodigieusement. On se détourne quand même un petit peu du conte. On est un petit peu dans un truc un peu sexy puisque Cendrillon a une libido, hein, ça change un petit peu des contes traditionnels, on voit que c'est réservé à un public adulte. C'était plutôt sympa, au début j'avais un peu de mal parce que justement on se retrouvait dans le conte original et moi je suis pas fan de ça. Après, dès qu'on dévie un peu, ça prenait de l'ampleur, c'était beaucoup plus addictif comme lecture. Et enfin, on rejoint le premier tome, et ça c'était bien fait, c'était super bien foutu. Je me suis doutée à un moment forcément qu'il y allait avoir Blanche-Neige à un moment donné ou quoi, et c'était vachement bien foutu, et je trouve que ce second tome donne une conclusion totale à cette saga. Donc, je ne comprends pas l'intérêt du troisième tome, je ne l'ai pas encore lu, il s'appelle Beauté, il est sur La Belle et la Bête, mais je vois pas, parce qu'en fait, les deux premiers tomes se terminent dans ce second tome. Donc est-ce qu'on va retrouver les personnages des deux premiers tomes dans le troisième? Je vois pas pourquoi en fait, mais j'ai préféré ce second tome parce qu'il y a plus d'action, il y a plus de changements de direction. On est dans un côté très cynique. Voilà, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, on est dans un conte de fées, mais alors... je vous jure, il y a des événements qui s'éloignent complètement des contes de fées, hein. Voilà. Et c'est ce que j'ai préféré. Ce second tome était une bonne surprise et je vous le dis, conclut la saga. Donc qu'est-ce qu'on va nous donner dans le troisième tome? Je vous en parlerai quand j'aurai lu. Encore une lecture commune pour ce troisième tome que j'ai fait donc avec Amélie. Nous avons lu ce troisième tome qui concerne une des filles Tenbury qui s'appelle Summer. Summer a 13 ans, elle vit pour la danse. C'est une des jumelles de la famille Tenbury. Sa sœur jumelle avait fait l'objet du second tome. Là nous sommes avec Summer, elle rêve par-dessus tout de faire une école de danse prestigieuse, de faire ses études là-dedans. Et on va traiter encore une fois d'un sujet sensible, comme sait très bien le faire Cathy Cassidy. Et là, ça va être un sujet grave, un problème d'alimentation, hein, voilà. Comme tous les clichés qu'on donne un petit peu au monde de la danse, on va voir une jeune fille qui va s'affamer puisqu'elle se trouve toujours trop grosse. Elle pense que d'être encore plus mince va la faire connaître le succès. Bref, on parle d'anorexie dans ce livre et c'est hyper bien traité. Je trouve que Cathy Cassidy a un don pour nous montrer les choses les plus graves, les problèmes d'adolescents les plus graves, de manière juste,
de manière extrêmement poussée, mais extrêmement juste, sans faire la morale, en montrant un pan de ce travers, mais sans faire de morale. C'était très très bien joué. On voit par les yeux de Summer comment elle se voit, comment les autres la voient. Bref, c'était très bien fait. C'était un petit livre jeunesse qui se lit extrêmement vite. C'était prenant. On s'attache à Summer et en même temps on se dit mais qu'est-ce que tu fais quoi? On a envie de la secouer et lui dire mais regarde tous les gens autour de toi, ils ne te trouvent pas grosse, ils ne te trouvent... Qu'est-ce que tu fais? Heureusement elle est entourée de personnes bienveillantes. J'ai beaucoup aimé le rôle de, je ne sais plus son nom, mais d'un garçon qui est sans cesse en train de l'embêter hein, depuis qu'elle est petite, ce garçon, c'est sa plaie, quoi. Mais il a un regard envers elle, bienveillant, compatissant. Il va la pousser à réagir, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Pareil pour sa prof de danse, on a l'impression ben, que c'est la danse, qu'elle va aller dans son sens, etc. Mais non, elle va lui montrer tout ce qu'elle rate. On a aussi une jeune fille qui va être sélectionnée pour l'école de danse auquel elle postule aussi et qui est une fille en pleine adolescence, donc qui a des formes, qui mange bien. Et autant Summer va avoir un œil critique sur elle, autant, et ben voilà, quoi, c'est ce que devrait être une adolescente normale qui ne se prend pas la tête pour une prise de poids. Bref, voilà, c'était hyper bien fait. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette série. Pour jeunes ados parce que elle parle de thèmes forts, de thèmes graves, avec une légèreté et une bienveillance, et toujours avec les mots justes. On passe à ce contemporain que j'ai lu, c'est le troisième livre de Agnès Martin-Lugan que je lis. Sa plume est toujours addictive, simplement j'ai trouvé un petit peu en dessous. Nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Yael, qui 10 ans plus tôt était une stagiaire basique qui en faisait le moins possible dans la boîte où elle travaillait, une boîte d'interprète. Voilà, son grand but dans la vie c'était de prendre une année sabbatique et d'aller voir le monde, de pas se prendre la tête, elle faisait la fête avec ses amis. Elle avait un groupe d'amis très soudé qui était constitué de sa sœur et d'autres personnes. Et du jour au lendemain, un de ses amis dans ce groupe va disparaître et va profondément changer, bouleverser sa vie. On la retrouve 10 ans plus tard, elle est toujours dans la même boîte, elle n'est plus stagiaire, elle est une employée modèle, elle ne pense qu'à son boulot, elle ne cherche que l'excitation des contrats, que l'excitation de tout ça, elle met un petit peu sa santé en péril parce qu'elle ne fait que bosser, mais tout le temps. Et voilà, va revenir dans sa vie cette amie qui est partie 10 ans plus tôt et encore une fois ça va changer sa vie. J'ai bien aimé ce livre mais je dois bien avouer que à la moitié je m'ennuyais parce que on voyait elle qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui n'a que ça en tête, qui rejette toute sa famille, tous ses amis. Et c'était un petit peu redondant parce qu'on a envie de lui dire mais tu vois pas que t'es en train de te bousiller la santé, tu vois pas qu'il y a autre chose dans la vie que le boulot. Et cette lecture était pas forcément original parce que du coup on s'attend tellement à voir revenir cet ami et à le voir changer la vision d'Yael des choses que bah au final j'étais pas étonnée, j'étais pas surprise. C'était un peu basique finalement comme histoire, j'ai trouvé c'était du déjà vu. Voilà, j'ai pas été emballée plus que ça. Alors oui il y a un petit rebondissement vers la fin auquel je ne m'attendais pas vraiment, quoique ça se passe toujours comme ça dans les contemporains. En fait j'ai l'impression de lire un énième contemporain et avec toujours le même thème, avec une romance. Et ben au final je suis lassée. Je peux pas dire que la romance avance très vite parce que il faut très longtemps avant qu'elle se mette en place, ce qui est naturel, ce qui est normal. Voilà, hein, c'est pas on se voit, on se plaît, on s'embrasse et voilà tout va bien. Non. Dans la logique, ce livre est bien fait, parce que voilà, ça n'arrive pas tout seul, il y a une construction derrière. Mais, c'est un contemporain et je trouve que c'est un énième contemporain qui ne change rien au truc et qui sera vite oublié de mon côté, je pense. Et pour terminer, je vous parle de Apocalypse Blues,
qui est une lecture que j'ai faite grâce à Brajlon qui m'a très gentiment envoyé ce livre pour que je le découvre. Et c'est du post-apo. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'adore le post-apo et je suis très contente d'avoir lu ce livre parce que c'est du très bon post-apo. Ici, nous allons suivre des hommes, des jeunes hommes, qui vont, chacun de leur côté, chacun à un bout du monde, vont devoir survivre à l'apocalypse. Par exemple, nous avons deux frères qui sont en Australie et qui vont être confrontés à un tsunami. Nous avons Kiran qui habite en Inde et qui va être confronté à la montée des eaux, à la perte de sa famille. Et nous allons suivre un dernier qui s'appelle Charlie qui lui habite au Texas, enfin qui habite à New York. Il fait une retraite en fait au Texas dans le ranch de son grand-père et il va être confronté aux tornades et à la barbarie des hommes. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre parce que on est dans du young adult puisque Big Bang est la collection young adult de Brajlon. Et mon dieu que c'est dur. On ne prend absolument pas les jeunes pour des cons parce que franchement, ce livre, je ne m'attendais pas à autant de dureté, je ne m'attendais pas à autant d'épreuves. C'est horrible, mais dans un sens, c'est tellement réaliste. On ne peut pas survivre à une apocalypse sans perdre quelque chose et sans donner de sa personne. Et c'est tellement dur, je vous jure. J'étais le cœur serré à plusieurs reprises et je n'arrivais pas à croire qu'on puisse infliger ça à des personnages. Mais c'est ce qui a rendu ma lecture hyper addictive et hyper prenante. Franchement, si vous voulez un bon post-apo, eh ben, je vous conseille parce qu'on voit tout ce qu'on devrait voir dans un vrai post-apo, quoi. On est vraiment dans un déchaînement des éléments avec la Terre qui se rebelle, mais aussi, comme d'habitude, la barbarie des hommes. Parce que c'est ça aussi une apocalypse. C'est les hommes qui vont tout faire, qui vont retrouver leur bas instinct pour pouvoir survivre. Et je peux vous assurer que là-dedans, on le voit vraiment clairement. Le petit bémol que j'aurais à dire, c'est que on se trouve confronté avec des héros. On a quatre héros et les filles là-dedans, dans tout ça, et ben elles sont pas du tout présentes, quoi. Il n'y en a pas, clairement. Ça m'a un peu gênée dans le sens où c'est bien de choisir des hommes, mais on peut au moins montrer que les hommes ne sont pas les seuls à survivre, que certaines filles y arrivent aussi, hein. Bon bref, après c'est un choix de l'auteur qui a décidé de ne se concentrer que sur des hommes, ce que je peux comprendre, après tout c'est ses choix, hein. Mais franchement, j'ai très très hâte de connaître la suite, parce que ça se termine avec un truc, mais mon dieu. Je pensais qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans l'horreur, mais si, tout à fait. La suite va sortir très bientôt puisqu'elle est prévue pour août, si je ne m'abuse, puisque ce sont des rééditions. Cette saga est déjà parue chez Brajlon sous le titre « Et il ne restera que le ciel », je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais j'ai très très hâte de lire cette suite parce que c'était extra. Franchement, c'était du très bon post-apo et je vous le recommande à 100% si vous aimez ce genre-là, parce que je peux vous assurer que c'est pas du tout le pays des bisounours et on en est bien, bien, bien loin. Voilà, je vous ai présenté ces 4 livres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.